Bon, il y a une coach là qui apparemment a donné son avis par rapport à les hommes, le respect, la femme. Bon, elle a l'air un peu énervée, un peu teigneuse hein, quand elle parle, hein, mais on regarde ça et on en discute après. A lot of y'all dudes, for the life of me, y'all cannot understand when I explain that if a woman does not respect you, she will not submit to you. You will not have this fucking relationship goal, tame a woman, that's my bitch, she ain't gonna look at nobody else, wifey material ass situations when you with a woman that she does not respect you as the man that you are. And you can't teach a woman how to respect you. That shit comes based on her getting to know you and seeing value in you that she feels like needs to be respected. I told y'all dudes, some of y'all, you done spent a lifetime getting pussy, but you ain't conquered now, woman. You fuck a lot of bitches, but you've conquered none. Meaning you've been in the bed with bitches that while you in them, they don't trust you. Time you get up, they're ready to argue with you. The energy between y'all be so toxic, so negative. Everything she got to say overall has to do with manipulating and controlling you as a man. Y'all won't listen when I'm explaining to y'all. Respect is what gets a woman to be submissive, to listen to you different, to talk to you different, to care differently about what you want for yourself. Y'all just don't get this. Ouais, mais calme-toi, chérie. Enfin, pourquoi s'énerve comme ça là? Hein? Tu veux donner des conseils toi-même, t'es pas féminine là. Là, elle m'a juste turn off, comme disent les Américains. Donc, du coup, pourquoi j'ai voulu parler de ça dans cette vidéo? Est-ce que selon toi, voilà, c'est une vidéo là où tu vas me donner un petit peu ton avis. Est-ce que selon toi, tu peux avoir une femme qui te respecte sous condition? Pour moi, c'est un peu le même principe que la féminité. Les femmes qui disent je suis féminine sous condition. Voilà, je serai soumise à mon mari sous condition, je serai soumise à cet homme-là sous condition. Non, c'est où tu es féminine et tu seras tout le temps féminine. Voilà, moi j'ai été avec des femmes, elles étaient féminines quand elles étaient avec moi. Et je sais que quand elles seront plus avec moi, elles seront encore féminines. Elles n'ont pas été féminines parce que elles étaient avec moi. Et après, dès qu'elles sont plus avec moi, ça y est, ça devient des bonhommes, tu vois. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais attends, il faut que tu gagnes quand même le respect. Oui, c'est normal qu'il faut que tu sois quand même respectable. On est d'accord avec ça. Mais j'avais déjà pris cet exemple-là. Dans les autres pays où j'ai été, que ce soit Thaïlande, que ce soit en Amérique du Sud, même les gars moyens, ça veut dire qu'ont un taf normal, qui voilà, métro, boulot, dodo, ils ont un taf normal, ils sont pas riches, ils ont pas plus d'argent que ça, ben ils sont respectés par leurs femmes. Les hommes sont respectés, c'est tout. En fait, c'est qu'en Occident, ça y est, ben, en fin de compte maintenant, ben parce qu'elles sont indépendantes, alors du coup maintenant il n'y a plus besoin de respecter l'homme. Si tu vois le mindset. Alors comme on est indépendante maintenant, on n'a plus besoin de vous respecter. Ben, en fait, tu me respectais juste parce que j'ai gagné de l'argent et c'est juste pour ça en fait. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Donc même si ça t'enlève pas le travail en tant qu'homme, et ça, de toute façon, je le répète dans mes vidéos, c'est le but, hein, de faire partie des 10% au minimum. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin avec moi par rapport à ça, dans mon groupe Zion, où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir créer ton business en ligne et atteindre au minimum 5 000 euros par mois, plus comment investir dans l'immobilier, enfin, t'as énormément de choses dans Zion. Je te laisse checker ça dans la description. Mais ça ne change pas que si jamais tu es avec quelqu'un, il faut qu'elle te respecte. Et de ne pas rentrer dans ces arguments, oui, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, c'est pour ça que je te respecte pas, ou ça vient, ça commence à te mettre des coups de coude, des gifles, revers, ta-ta. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars qui font l'erreur de se dire, ouais, je veux la changer. Ouais, si jamais tu veux la changer, tu veux la rendre féminine, mais tu es en train de perdre ton temps, tu vas galérer, elle va rester comme ça, elle va pas changer. Le respect encore, tu vois, ça peut être. Il peut avoir de certaines nuances, tu peux du coup finalement inspirer le respect ou mettre des limites, mais ça va être un challenge quoi. Tu vas te fatiguer. Donc après, il faut voir si ça vaut vraiment le coup. Donc le respect, tu peux l'imposer, tu vois, mettre des limites, mais faut déjà que tu aies le caractère comme ça. En général, ça va. Tu vas galérer. Et après, ça va commencer à t'insulter, ça commence à te mettre des gifles. Et c'est pour ça que les gars, après les gars se plaignent. Ouais, les femmes, ceci, ouais, aujourd'hui les femmes. Ouais, mais qui l'a autorisé à venir dans ta vie? Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si tu veux mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as mon titre de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, ok? C'est offert, on crée un acte, regarde quand même. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp.